Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré ce froid. Alors, je vous accueille sur ma chaîne en mode pluieuse avec mon pull troué. Voici, mais vous voyez, mon pull troué, il a des avantages, il a même des petites lanières. Voilà, mon pull troué. Voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont jamais tricoté, je vous explique, en fait, si c'était des trous, le pull se détricoterait tout seul, ok? Ça, c'est des mailles sautées exprès, voilà. Donc, ça ne se détricote pas. Et c'est dans la mode, voilà. Alors, on va reprendre un peu de sérieux. Je vous avais promis le pull troué aujourd'hui, vous voyez? Chose promis, chose due. Voilà. Et je me fais critiquer quand je fais le pendule, aujourd'hui, on va avoir le droit à une réponse au pendule. Voilà. Parce que oui, tout compte fait. Les critiques, ça me plaît beaucoup. Alors, bon, on va continuer comme ça, mais là, on va se remettre au sérieux, d'accord? Donc, j'ai manipulé mes pendules avant de venir, hein, voilà, pour qu'ils s'imprègnent de mes énergies. Et vous avez été nombreux à me demander à quand la fin des masques, d'accord? Donc, j'ai pris un petit papier, voilà, blanc, et je vais poser votre question. Alors, à quand la fin des masques? Voilà. Donc, je vais mettre un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois. Voilà. Et on va faire ça, et comme ça, on va voir où le pendule va. D'accord? Sur quelle case il va. Donc, on a chacun sa façon de faire. Ok? En tout cas, voilà, vous voyez, à quand la fin des masques. D'accord? Moi, j'ai envie de préciser pour les adultes, parce que vous allez voir après. Pour les adultes. Voilà. Donc, je vais prendre mon premier pendule et je vais me mettre, alors, sur les chiffres, là. Est-ce que vous pouvez nous dire à quand la fin des masques, s'il vous plaît? À quand la fin des masques, s'il vous plaît? Et après, j'ai retrouvé mon truc de date, hein, donc on va regarder. D'accord? Alors, à quand la fin des masques, s'il vous plaît? Alors, voilà, vous voyez, moi, on me dit 3 mois. Alors, on est au mois de février, mars, avril, mai. On va demander à celui-là. À quand la fin des masques pour les adultes, s'il vous plaît? À quand la fin des masques pour les adultes? Ben, vous voyez, c'est pareil. Hein. Il dit, voilà, 3 mois. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, voilà, on me dit 3 mois. Ok, donc maintenant on va demander ici, j'ai retrouvé ma planche de datation, d'accord? Donc vous savez qu'ici c'est janvier, d'accord? Et là c'est décembre, hein? Bon, alors à quand, alors pouvez-vous nous dire à quand la fin des masques pour les adultes, s'il vous plaît? À quand la fin des masques pour les adultes, s'il vous plaît? À quand la fin des masques pour les adultes? Alors, vous voyez, ça vient ici. Voilà, donc c'est vraiment hop, le mois de mai. D'accord? Donc là, j'avais dit mars, avril, mai. Donc, c'est ça, 3 mois. Donc, bon, on sera normalement libéré pour le mois de mai.
Maintenant, j'ai envie de voir pour les enfants. Alors, à quand la fin des masques? Alors, pour les enfants. Je vais faire autrement. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je mets plus. D'accord? Donc là, c'est les mois. Voilà. Donc ça, on s'en fout. Alors, pouvez-vous nous dire, donc ça donne ça, hein, d'accord? Je vous montre, hein, ça donne ça. Voilà. Mais j'ai fait, vous voyez, comme là. Hein? Alors, pouvez-vous nous dire à quand la fin des masques pour les enfants, s'il vous plaît? À quand la fin des masques pour les enfants? À quand la fin des masques pour les enfants? Alors, vous voyez, ça reste là en fait, hein? Ça balance entre 1 et 2 mois. Voilà, ça balance entre 1 et 2 mois. Donc, on va dire, allez, un mois et demi pour les enfants. D'accord? Maintenant, on va demander ici. Alors, déjà, est-ce que les enfants vont pouvoir enlever les masques? Voyez, voilà, ça tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre. Alors, ma main bouge, mais c'est normal. C'est parce qu'il n'y a pas de stabilisateur. J'ai déjà expliqué, d'accord? Et non, ce n'est pas moi qui fais bouger mon pendule. On va demander à l'autre pendule. Alors, est-ce que les enfants vont pouvoir enlever leur masque? Est-ce que les enfants vont pouvoir enlever leur masque? Donc, oui, vous voyez? Bon, on va demander. Alors, pouvez-vous nous dire quand les enfants pourront se libérer des masques? Pouvez-vous nous dire quand les enfants pourront retirer leur masque? Oui, alors moi j'ai Mars, hein. Vous voyez, ça vient ici et moi j'ai Mars. D'accord? Donc je pense que ça fait ça un mois, enfin voilà, vous voyez si peut-être, voilà, on est le 11 février, bon peut-être si c'est le 18 mars ou un truc comme ça, voilà, ça fait un mois et demi. Ok? Alors, à quelle date du mois de mars les enfants pourront retirer leur masque? À quelle date du mois de mars les enfants pourront retirer leur masque? Alors, on me dit vers le 19 mars. D'accord? Vers le 19 mars. Donc, on verra, retenez bien. Pour les adultes, hein, donc je répète, adultes. On me dit au mois de mai, d'accord? Et pour les enfants, on me dit 19 mars, environ, hein, bien entendu. D'accord? Voilà. Donc, on verra bien. Vous m'avez demandé aussi de faire un tirage pour Maître Brusa, hein, est-ce qu'il va arriver à gagner le procès de faire enlever le masque des enfants? Ben ça, on va le faire avec les cartes, ok? Voilà. Donc, je vais venir vous faire un tirage. Je vais venir vous faire aussi le tirage pour ce week-end, hein, puisqu'on est vendredi, d'accord? Voilà, comme ça, on va voir ensemble. Aussi, soyez positif, d'accord? Comme ça, vous attirez des bonnes choses, hein? Il faut absolument fonctionner comme ça. Donc, ben voilà, hein, apparemment, on serait libéré au mois de mai. Donc, enfin, on pourra peut-être repasser un été normal, hein, voilà. Si seulement les enfants pouvaient vite enlever leur masque, déjà, ce serait un bien, hein.
Parce que là, asphyxier les enfants, c'est juste pas possible. Voilà. Ben voilà pour cette petite vidéo, hein. Donc comme ça, on a à peu près. Alors, il faut prendre à peu près, d'accord? Il n'y a rien d'exact, ok? Ça peut aussi accélérer, voilà. Mais moi, je pense que vraiment, oui, pour le mois de mars, ça sera bon pour les enfants. Et bah, après, voilà, pour les parents, il faut encore attendre plus parce que c'est pas les enfants qu'on essaye de dominer, hein, c'est bien nous, d'accord? Et c'est plus facile d'engendrer la peur sur les parents. Ok, voilà. Bon, bah, je reviens pour faire le petit tirage ce week-end. Et on verra aussi je ne sais plus ce que j'ai dit. Heureusement que j'ai noté les questions. Donc, tirage de ce week-end. Et oui, Maître Brusa, est-ce qu'il va gagner le procès pour les enfants? D'accord? Bon, en tout cas, je pense que ça va prendre un peu de temps. Mais que oui, puisque vous voyez, pour le mois de mars, les enfants pourront enlever leur masque. Donc c'est très très bien. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure.